Avant d'habiter Paris et de partir à Hervaux, j'habitais Colombes. D'accord. On habitait rue Brassac à Colombes. Et moi, j'ai décidé de partir. Et dans cette rue, on m'appelait papa bricolage, papy bricolage, ça dépendait de qui m'appelait. On va faire une épicerie solidaire où on va livrer toutes les personnes. Et ce sont des bénévoles qui vont livrer les courses des personnes sur la ville. Si on dirait aux personnes qui hésiteraient, je leur dirais essayez. Je leur dirais essayez, parce que c'est bien plus valorisant. On est bien plus content de faire plaisir aux autres que quand les autres nous font plaisir. Proposer ces services, c'est pas qu'on vienne vous voir quand vous êtes dans le besoin. Et c'est ça la démarche, la vraie démarche, c'est ça. Ouais. Il faut plutôt que la personne dans le besoin tire la sonnette. Ouais. Et c'est comme ça que la vie est plus belle.